Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilot de Ligne. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce dimanche 19 septembre. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien reposé et que vous êtes bien avancé aussi du côté de votre travail. De mon côté, du coup, comment ça s'est passé? Donc, comme vous savez, je suis rentré vendredi soir à 19h sur Rennes. Et voilà, du coup, je suis rentré chez mes parents, etc. Donc, un petit vendredi soir chill. Sans forcément de taf. J'avais juste à faire un petit peu, enfin avant de partir du coup. Et donc voilà, vendredi soir, il s'est rien de passé. Enfin, pas grand chose quoi. Sinon, du coup, samedi, je suis parti à la bibliothèque universitaire. Donc de Rennes 2, qui est juste à côté en fait, si vous voulez. Et donc j'ai taffé toute la matinée de. Non, pas 8h30, 9h. De 9h à midi 30, c'est ça. Donc j'ai préparé ma colle de physique, parce que j'ai colle de physique donc du coup demain, dans l'après-midi, oui c'est ça. Et par la même occasion, je me suis avancé. J'ai relu en fait le cours de vendredi, sur le chapitre 2, toujours le petit géométrique. Hein. Et puis voilà. Donc de ce qu'il en était pour ce samedi matin, et du coup l'après-midi j'ai été donc chez un ami qui m'a collé en français parce que, donc voilà, pour tout vous dire, le prof de français qui nous a proposé du coup de s'inscrire sur une feuille, pour ceux ou celles qui seraient motivés du coup à passer cette semaine ou la semaine prochaine, et du coup ça tombait à point nommé parce que j'en avais vraiment besoin en fait de cette deux colles, enfin de cette école, de ces colles, pour pouvoir soulever les problèmes qui faisaient que j'avais pas forcément, je faisais pas forcément une bonne colle de français quoi. Du coup très sympa, il m'a beaucoup appris, j'ai une vraie méthodo et donc ça c'est cool, ça va être sur quoi je vais taffer du coup, vu que ça, enfin c'est colle entre guillemets blanc, pas entre guillemets, c'est colle blanc. On me permet de mettre en exergue certains problèmes que j'avais, notamment quoi ? Bah, tout d'abord la structure, vu que j'avais pas de méthodo en fait avant. Et donc voilà, on a revu la méthodo. J'ai retravaillé sur ça. Et du coup, la deuxième colle s'est un peu mieux passée, entre guillemets. Et sinon, voilà, mon gros point noir, je pense, c'est. Enfin, c'est ce qui s'est vu du coup sur les deux colles, c'est mon plan en fait. Chaque fois, je me retrouve coincé au bout des 30 minutes, justement. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que c'est un peu le corps, en fait, de notre présentation. Et j'arrive pas encore à arriver au bout des 30 minutes et avoir un truc bien carré, solide, quoi. Donc l'introduction, encore, ça va. Ça va un peu mieux depuis la méthodologie, mais voilà. Du coup, on a fait ça tout l'après-midi. Et donc je suis rentré le soir, je ne sais plus vers quelle heure, assez tard, je pense qu'il devait être 20h, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai enchaîné sur quoi d'ailleurs? J'ai fait mon anglais tout simplement. C'était l'après-midi langue. Même plus que l'après-midi, c'était carrément après-midi et soirée langue. Du coup, j'ai fait mon anglais parce que j'avais tout ça à faire. Donc, voc de colle, quelques vocabulaires à apprendre, avec 4 exos à faire. Et on a des phrases à traduire aussi. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, aujourd'hui, dimanche, je vous avoue, dimanche matin, j'ai fait une petite grasse matinée, jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. Ensuite, je me suis mis à travailler. Et du coup, j'ai fait des maths. J'ai revu le cours. J'ai fiché ma colle du coup pour jeudi. J'ai colle de maths jeudi. Et puis voilà. Et puis là, du coup, je suis arrivé ici à. Non, pas 15h. Je suis arrivé ici à 16h30, 17h. Et depuis, donc, je suis en train de travailler sur la physique. Parce que j'ai un DM de physique à faire. Qui est à rendre justement au plus tard vendredi. Sauf que. Enfin, ça va pas être bueno du tout parce que vendredi on a un TP à faire.
Et bah, c'est toujours sympa de, enfin toujours sympa, toujours mieux de préparer le TP la veille pour éviter de le découvrir le jour, enfin le lendemain et ne pas savoir quoi faire, quoi, et perdre du temps. Parce que les TP, enfin on s'est rendu compte avec le TP qu'on avait la semaine, enfin vendredi dernier du coup. Très rapide. Voilà, c'était pas des choses hyper complexes, hein, mais c'était le temps passé extrêmement vite. Et du coup, bah, voilà, malgré le fait qu'on l'ait préparé, on s'est retrouvé coincé à la fin parce qu'on n'avait pas assez de temps, on manquait de temps. Et du coup, on a sauté quelques questions. Bon, enfin bon, du coup, voilà. TM de physique, et puis là, physique, et je vais re-réviser ma colle pour demain. Parce que j'ai envie de me faire détruire, tout simplement. Ça ferait chier d'avoir une mauvaise note. Et puis voilà. Sinon, bah, du coup, on va faire un petit topo de la semaine. Du coup, comme vous le savez, demain, j'ai colle de physique. Mardi, j'ai un contrôle de cours en SI. J'ai un contrôle de cours aussi en anglais. Français, on a un texte à résumer, me semble, que j'ai pas encore touché. Je pense que je vais faire ça demain. Je vous avoue, français, j'ai pas trop la foi. Enfin, on verra ça demain. Et puis, du coup, non, mercredi, non, on n'a rien de prévu. Peut-être, du coup, la colle de français, on va essayer de voir ça. Enfin, je vais essayer de récupérer l'emploi du temps, enfin, le planning sur lequel s'imbriquer. Là, juste après la vidéo. Enfin, si un peu le casier mercredi serait parfait, du coup, parce que, du coup, le lendemain, j'aurai colle de maths. Du coup, le mercredi au soir, je prépare ça. Vendredi, TP de physique, comme tous les vendredis. Et du coup, samedi matin, tout premier DST de l'année. Donc, de 8h à midi, on aura des maths sur les chapitres, enfin, tout ce qu'on aura vu du début jusqu'à maintenant. Du coup, voilà un peu le programme de la semaine. Un petit peu chargé parce qu'il faut aussi faire les TD, etc., etc. Enfin bon, de toute façon, on est là pour ça, on va pas pleurer. C'est un peu ça, la vie d'après-pas. Mais du coup, voilà, ouais. C'est un peu ça le programme de la semaine. Et puis, ouais, d'ailleurs, on est presque déjà à la fin du mois de septembre. Ça passe super vite. Je sais pas si de votre côté vous rendez compte. Enfin, je me rendais pas compte durant ces semaines, mais là, je suis en train de faire un peu le point et tout. Et franchement, on est déjà presque à la fin du mois de septembre. Ça passe extrêmement vite. Je me rappelle encore en fait de la rentrée, tout simplement. Ça fait tout drôle. Et puis, ouais, donc bientôt on va attaquer le mois d'octobre. Enfin, je me baisse parce que j'ai calendrier. D'ailleurs, ça c'est super important, ça permet de se repérer un peu dans le temps, dans l'espace, du coup on peut se projeter, etc. Ça d'ailleurs, ouais, c'est un vrai atout, le calendrier. Enfin bon. Du coup, voilà. Dimanche soir, il fait bon à Saint-Brieuc. Petit peu couvert, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas de pluie. Disons, enfin, il fait ciel bleu, quoi. Enfin, voilà. Du coup, ça y est, c'est parti. C'est parti jusqu'aux vacances, du coup. Vu que d'ici là, je pense pas que je vais rentrer chez mes parents. Je vais taffer, taffer et taffer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez super bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, ça coûte rien. Et encore une fois, ce putain de ratio qui est hyper chelou, du 70%. Je regarde, mais je suis pas abonné. Et du 30%, enfin abonné, je regarde quoi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on contrecarre un peu ce phénomène assez bizarre. Donc je compte sur vous, abonnez-vous et puis voilà quoi. On continue la petite aventure prépa. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite très bon dimanche. Profitez, reposez-vous bien et puis bon courage du coup pour la semaine. Et éclatez tout sur passage. Surtout ça en fait, le métro. Voilà, détruisez tout, pardon. Pour cette nouvelle semaine et puis c'est parti, hein. Let's do it. Bon, sur ce, amis,
je vais vous laisser, moi je vais retourner sur mon BM de physique, marqué de l'optique, on travaille sur le prisme, et puis voilà. Bon les amis, passez une excellente soirée. Du coup, rendez-vous demain 19h, comme d'habitude, et puis reposez-vous bien et travaillez bien aussi. Ciao les amis.